C'est la cocotte TV. Victoire. C'est Onizuka, toi ? Ah, il y a Clé-Clé. Donc, Clé-Clé, c'est Tilem. Onizuka, je te vois pas. C'est là. Ok, voilà. Allez, on re-randomise. Et c'est reparti ! Désaster l'altruiste. Trop sympa, Désaster. Et Modo, tu donnes l'exemple. Bon, j'ai pas mis de ban cette fois-ci. On n'est pas des persos trop méchants. Quel perso aurait mis ? Ah, je sais pas te dire, là. Je sais pas te dire. Alors moi, il faudrait que je prenne un perso qui est dans ceux que je joue le moins. Et donc, fatalement, dans ceux que je joue pas forcément très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire ? En vrai, ça. Ça, je joue sacrément pas souvent. Et a priori, je joue sacrément pas bien. On va le tester. Oh, c'est quoi ce build de ouf ? Il a l'air trop marrant, ce build. Et je le tente. Darius ? Non, je suis devenu fort avec Darius. Je suis trop fort avec Darius maintenant, Désaster. T'as un perso méchant, mais que t'as jamais joué. Bon, si tu l'as jamais joué, vas-y. C'est du troll, le build ? Non, il a l'air marrant. Il a l'air rigolo, ce build. Oh, je pense qu'il est fou, ce build. Ouais, on part comme ça. 100% troll. Et pourtant, à la fin, on va gagner la game, quoi. C'est là où c'est fou. C'est un build bleu-violet. C'est important, la couleur. Que les items de ton build aient la même couleur rajoute une synergie. Alors du coup, Japas, il a dit qu'il allait jouer un perso OP. Qu'il a jamais joué. Et Lilia, du coup, ouais. Okay. Je suis top, je crois, ouais. Je crois que Lilia, la première game que je l'ai jouée, j'ai pas fait une bonne game. Hein. On juge pas ta Senna. Lilia, c'est pas évident la première fois. Ah, mais c'est le duo des amoureux du Québec, là-haut, là. Dans notre équipe, Ezreal Senna. Les deux... Le petit couple à 252 ping, bah bravo. Bonne chance et laisse-moi win. Jamais de la vie, je te laisse win. Ah, tu joues Saint-Jos. Ah, ça va être scandaleux. La Red Kata avec Draktar, Rabadon et Couperet. Ça, c'est beau. C'est un beau build. Après, Kata, est-ce qu'elle... Il déteste ADC. Hein? Et toi, t'aimes bien support ou pas? Ça va être hilarant. Ah bah, j'imagine. T'imagines qu'on va passer un moment d'exception à nouveau. De toute façon, là, c'est mon tour de gagner. Donc, normalement, t'es dans la bonne équipe. Puisque c'est chacun son tour. Et je vais vous montrer comment je suis trop fort avec 7. Donc, du coup, je suis en lane contre Rémi et son Saint-Jed. Rémi... Oh, mais c'est un duel de Yone au mid. Ah, ça, par contre, c'est bien dégueu. Ah, ça, c'est bien dégueulasse. C'est moche. C'est très, très moche. Je ne vous félicite pas. Je ne vous dis mais tellement pas bravo pour le coup. Start E. Ouais, je start E. Comme tu m'as dit. J'ai fait tout comme tu m'as dit. Paf. Le poison. On va voir comment il joue son Saint-Jed. On va taper dessus. Paf, paf, paf. Oh, il a ghost. Il a ghost et ignite d'entrée. Oh, le malade. Rémi, t'es un grand malade. Un grand, grand malade. Remarque, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, il m'a mis midlife aussi. Alors, mon petit Rémi. Viens là, mon petit Rémi. Ah, super. Il prend le Z niveau 2. Ouais, tout comme t'as dit. Ce qui est bien, c'est que jusque-là, je fais vraiment tout comme t'as dit, et donc du coup, je fais aucune erreur. Tu veux qu'on fasse une bataille de cul de chien, Rémi ? Paf ! Paf, paf, pouf ! Voilà. Oh, j'ai un plan. Je prends un coup de tour, comme ça, ça charge ma barre, et bang ! Oh, le plan de fou. Et là, regarde. Paf, 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 paf ! Parfaitement parfait. Ça s'est passé exactement comme on voulait. Alors l'arrivée de Lilia, oh c'est donné ça. Ça passe, t'as eu le droit à un petit kill cadeau du plaisir. Allez continue. Beaucoup de mana sur Lilia, mais elle a un buff bleu. Adieu. Adieu Nautilus.
C'était pas mal. Si j'avais pas pris le coup de tour, c'était pas mal. Tu peux E puis flash, comme ça on le voit pas arriver. Ah. Je prends note, je prends note. Bon, j'ai plus de flash. Donc ça n'arrivera pas, mais je prends note. Bang, boum, bing, bang. Il me balance sous la tour. Je prends un coup de tour, ça charge mon truc. Cool. Cool, cool, cool. Après, je fais de la menace comme ça. Il m'a ignite. T'es sérieux, Rémi? Ça, c'est un match-up comme on aime. Hein. Ça, c'est un match-up rigolo. Si je fais ça sans charge, ça met pas vraiment de dégâts. Pauvre Saint-Ged, ouais. Arrête! Laisse-moi tranquille. Oh. Reviens, reviens, Kane. Viens de battre Titulus. Pauvre Saint-Ged. Saint-Ged, c'est fait pour se faire martyriser, quoi. Hein. Surtout que 7, un peu fort, quoi. Saint-Ged contre 7, c'est chiant, je pense. Hein. Moi, je sais que je banne souvent 7 quand je joue solo lane parce que j'arrive pas à jouer contre 7. Et Saint-Ged, c'est un perso qui évite un peu les match-ups globalement. Off. Oh, Kane. Il est niveau 5 cette fois-ci. Oh oui, Kane. Et paf, 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 paf. Lilia, à l'aide. Et boum. C'est vrai que c'est rigolo. Faire une game après, on se fait un 1v1 Riven contre Fiora. Après, si tu veux, on peut faire directement un... Est-ce que le mode 1v1 est toujours disponible en custom? Parce que je sais qu'il y a plus, tu peux plus lancer de matchmaking 1v1. Ah, ils l'ont pas laissé en custom. Ils auraient dû, en vrai. Hein. Franchement, les modes rotatifs, faut qu'ils les laissent en custom tout le temps. Genre le URF, le 1-for-all, le 1v1. Il n'y a pas de raison... Enfin, je comprends que les modes soient pas activés tout le temps parce que sinon il y aurait pas assez de gens qui taguent et les files d'attente seraient trop longues et du coup en les mettant temporairement, bah ça fait qu'il y a du monde dessus parce que c'est un peu l'événement du moment. Ça, je comprends l'idée. Par contre, ils devraient les laisser en custom, quoi. Ce serait rigolo. Rémi, encore! La barre blanche est chargée! Boum! Oh, il a fantôme. C'est un peu rigolo à jouer 7. Hein. Avec la petite babiole Riot. De Rockfool. C'est pas Rockfool qui me l'a donné, moi, la babiole. Hein. Y'a que Gashbel qui a eu sa babiole de la part de Rockfool. Moi, j'ai eu ma babiole de la part de Vaza, la community manager française de Wild Rift. Rémi! Bonk! Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé de te faire... C'est nul ADC, il dit Nishi. Il est en 0-3. Il vit sa pire vie. Carnage ennemi. Alors, qui joue Tristana en face? Onizuka. C'est qui Onizuka, déjà? On va aller s'occuper de toi. Onizuka, si tu m'entends, on va s'occuper de toi. Je vais laisser Rémi un peu tranquille. Parce qu'il mérite qu'on le laisse tranquille. Comment ça se passe, le duel de Yone bien débile au milieu? Ils sont à 0-0-0 tous les deux. Tristana, en plus, c'est chiant quand t'aimes pas ADC. Bah ouais. Puis Ezreal, c'est dur en vrai. Quand tu joues pas souvent ADC, Ezreal... Franchement, c'est pas évident. On va chercher Tristana. On va chercher Tristana! Bang! Oh, il meurt pas. Tue-le! La boule magique. Yes. Il a tué à la boule magique. Bravo. Next time, tu ult Nautilus sur Tristana, comme ça, elle prend tarif. Oui, c'est vrai que 7, plus la personne qui monte en l'air avec son ulti a de points de vie, et plus ça fait mal à ceux sur qui ça retombe. Par contre, il faut quand même un sacré alignement des planètes, quoi. Un sacré, sacré alignement des planètes. Bon, bah, Japa, ça a l'air de bien fonctionner, ta Lilia. Hein. Pour un first time, ça se passe bien, hein. On a laissé Rémi prendre du farm ici. On est sympa. Il en est où sur son Saint-Ged? Il a pas encore son premier item, c'est un peu dur. Tu vois qu'elle est bien cette boule magique. Oui. Quand t'as un ennemi à tuer qui a un point de vie. C'est pas mal. Tu récupères les kills de moins 100 HP. Ouais. Et encore, faut que ce soit suffisamment proche. Parce que si tu veux la lancer à l'autre bout de la map, déjà tu mets 12 ans à la viser pour pas qu'elle tape dans un mur. Ce qui est compliqué. Je peux pas vraiment le dive. Je peux l'embêter un petit peu, mais c'est tout, quoi.
Alors, on va décaler. Salut! J'ai tout loupé. Tout loupe, tout loupe, tout da da da. Oh, tu fais dodo? Bang! Attends, je vais manger des fruits. Oh là là, mais comme il me balance, ça me fout en l'air mon ciblage. Comment elle passe, ça, Lilia? C'est cool qu'elle traverse les murs. Quand il fait dodo, il sort du mur, Kane. Ouais, dès qu'il est contrôle, il sort du mur, Kane. Si la boule de Lilia a traversé les murs, ce serait très fort. Qu'on me donne mon Rakan SVP. Nishinera est en galère. Salut, Clexium, bienvenue à toi. Installe-toi confortablement, tu risques de passer un excellent moment. Bon, ça se passe. Hein. C'est nous la bonne équipe cette fois-ci, je vous l'avais dit. C'est une fois sur deux. Il ne peut pas traverser les murs en fight tout court. Comment ça? En teamfight, moi, avec Kane, les quelques fois où je l'ai joué, j'arrêtais pas de rentrer et de sortir des murs. Je veux dire, t'actives ton truc, tu te casses. Tu peux, hein. Pourquoi tu pourrais pas? Ça va bien, oui, et toi? Comment se passe cette fin d'année? Comment se passent ces fêtes? Rémi! Pauvre Rémi. Oh non, Tristana, on a dit que c'était pas le fun. Ah, j'aurais jamais mon 2 à temps. Tant pis! Salut Coco, depuis ta game hier, Darius Jungle, je fais que ça, merci. C'est fort Darius Jungle, hein, c'est rigolo en plus, ça, j'aime trop en ce moment. Quand le jeu te considère en fight, t'as 0,75 secondes dans un mur. Ah bon? Ok, mais j'ai pas fait gaffe à ça. Quand je l'ai joué, j'arrêtais pas de rentrer et sortir des murs. Après, peut-être qu'il te considère pas en fight assez vite au final. Bon, je me suis réchauffé un petit peu, là. Je reprends du plaisir au jeu, je pense qu'on va aller se faire une ou deux ranked après ça. Je vais aller faire... Tu m'as donné envie de refaire un peu de Darius Jungle, pour le coup. J'ai bien envie de faire une petite game de Darius Jungle en master, après. C'est juste qu'on a fait deux games frustrantes tout à l'heure avec des équipes qui jouaient pas, quoi. Du coup, mon build de split push avec Briscoq 3ème item, ça n'a pas de sens. Briscoq 3ème item, c'est vraiment pas une bonne idée. Tu veux qu'on fasse notre duel? Allez, on peut faire notre duel. Si tu veux, on se fait notre petit 1v1 avant pour le spectacle. Si tu veux. Super, je suis au Chili maintenant, donc Welldrift est ma seule source d'occupation. Ah ouais? Pourquoi c'est ta seule source d'occupation? Il y a vraiment rien à faire au Chili? J'avoue que c'est un pays que je connais pas du tout. Rentre en moi, grand fou! Bonk! Bonk! Oh oui! C'est bien passé. Oh, Yone! Hop! Dodge! Coup de poing. Dodo! Ah, dommage. Oh, bien joué! Oh, le move incroyable! On peut faire une game où on le fait de notre côté comme tu veux. Non, mais on va faire juste... On lance une custom à deux et puis on se fait notre petit 1v1 et puis... Et puis après, on voit ce qui se passe. Pour le spectacle. Tu sers à rien, c'est super drôle. Tu sers à rien, Tilem, t'es qui, toi? Ah oui, t'es Kane en 06. J'avoue qu'à chaque fois que tu viens essayer de me tuer, ça marche pas. C'est vraiment cancer, 7. Eh, on n'utilise pas le terme cancer ici, les amis. Mais oui, 7, c'est un peu agaçant. Pire botlane ever. Eh, vous êtes en 1-8, notre botlane, là. Merci à vous deux de nous donner du challenge. De toute façon, t'as dit qu'on se moquait pas de ta Senna, donc personne est en train de se moquer, là. Hein. Personne ne se moque de vous, hein. De toute façon, on est en train de se faire carry par notre jungler, donc ça va. C'est les vacances scolaires au Chili, donc en soirée, j'ai pas grand-chose. Ah, ok. Bah, c'est les vacances scolaires, je pense, quasiment partout dans le monde, hein. Ah, il est en moi. Ah, laisse-moi tranquille. Oh, Clé, tu croyais que t'allais enfin m'avoir. Je suis désolé pour toi. Je suis trop deg pour toi, mon pote. On va aller s'occuper de Rémi. Viens là, Rémi! Et voilà, encore. Tu t'es amusé à créer des builds chiants, genre H poke mid. Si t'as jamais joué, tu devrais essayer H support. H support, c'est très cool. Tu fais l'item support poke, tu fais un... Comment on appelle ça? Tu fais une larme de la DS pour spammer de fou. Et tu fais un mandat impérial.
C'est même pas troll et c'est trop marrant à jouer. J'ai un build aussi sur H quand je la joue ADC qui maximise le cooldown et où t'as la salve toutes les 1 seconde et demie, c'est trop bien. Je faisais souvent sur LoL normal. C'est vrai que sur Wellrift pour le coup, il y a moins de possibilités de faire des builds complètement olé olé que sur LoL PC parce qu'il y a moins d'items tout court et il y a moins d'items différents aussi. Oui, Rémi, lance-moi. Lance-moi, Rémi! Un ennemi de... Il y a toujours cette Tristana qui est un petit peu un danger. Ah ouais, 12-2. Bon, on va aller chercher Tristana. T'as hâte que Zoé sorte. On a tous hâte qu'il y ait globalement du changement dans le jeu. Ouais, c'est vrai que ça fait quelques mois que... On commence à avoir le sentiment de tourner un petit peu en rond. Donc Zoé, Zeri, ça va faire du bien. D'autant que Zeri, moi je l'ai jamais joué, comme c'est un perso très récent sur PC. Et que j'ai arrêté LoL PC il y a longtemps, donc je suis curieux de l'essayer. Du coup, c'est Tristana qui va tous nous tuer. Non mais bot diff aussi, là. Ça, les Québécois, c'est quoi ce boulot? Tuyau, déjà, qui s'appelle Tuyau? Qu'est-ce que c'est que ce pseudo, Nishinoya? Quel moment tu t'appelles Tuyau? Oh, joli flash! Et il a plus de jump derrière. Bravo, bravo. Wong. Exécuté. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Rémi? Vous avez pas pris des persos que vous saviez jouer? Bah oui, c'était la règle. C'était la consigne, c'était que chacun en profite pour first time un perso pour que ce soit marrant. Très très fun, Zeri, il y a plein de builds possibles s'ils gardent les mêmes ratios de spells. Ils garderont sans doute pas les mêmes ratios à la valeur près, mais ce sera la même idée, je pense. Après, je pense que c'est plus... Enfin, autant l'aspect build m'intéresse pas plus que ça, autant d'un point de vue gameplay, Zeri, ça a l'air vraiment sympa à jouer. Le fait de devoir viser l'auto-attaque, c'est un truc qu'on connaît pas encore, en tout cas sur Wellrift. Donc ça pourrait être rigolo. C'est bon, j'ai mon Briscoq, vous allez plus me voir, les amis. Maintenant, je joue sans vous. Vous débrouillez avec votre Tristana, là. Après, je fais de la pénétration. Ah ouais, le build est vraiment fou. C'est vraiment un build de zozo ennemi. Oh, le zoom remarche! Le zoom remarche, yes. Regardez-moi cette belle fourrure. C'est plaisir. Après, est-ce que je peux 1v1 Tristana? Non, je peux pas la 1v1 s'ils sont deux. Si vous êtes deux, c'est de la triche. Oh. Tristana. J'ai cancel son jump. Elle est où? Et bam! Oh, oh oui! Joli multi d'Ezreal. Bah, tu vois? Tu vois, Nishinoya, que t'arrives à faire des trucs avec ton perso. T'as pris une interruption à 14 milliards de gold sur l'ADC qui t'a mis à mal tout leur lit. Ça fait plaisir en vrai. Vous voulez pas me taper plus fort pour que ma barre elle monte là? Ah non, ils ont pas voulu me taper trop fort. Dommage, dommage. Et j'étais censé split push moi. Laissez-moi split push, laissez-moi faire ma vie sur le côté de la map s'il vous plaît. Il y a mon Briscoq qui est même pas actif. Ah voilà, le Briscoq s'active. Je suis loin des méchants, enfin je suis loin des gentils pour le coup. Et là, ce sbire canon devient un sbire canon vénère. Ça part en push. Donc la vitesse d'attaque, c'est très bizarre avec cette... Le fait d'avoir une attaque rapide, une attaque lente. T'actives ton premier sort, t'as deux attaques rapides. Et après, d'un coup, t'as l'impression de plus attaquer du tout. On retrouve avec une vitesse d'attaque aux fraises totales. Par contre, pas de mana, c'est fort, quoi. Dès qu'un perso a pas de mana, c'est toujours une menace en speed push parce que il a toujours tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il veut, quoi. Attends, Bowen, laisse-moi, je tape la tour. Tu me laisses tranquille, Bowen. Laisse-moi tranquille, j'ai dit. Et une tour. Oh, attends. Y a un duel possible contre lui ou pas? Non, je pense pas. Surtout que mes alliés sont morts. T'es obligé de jouer sur le serveur Amérique Latine, c'est un peu embêtant de pas avoir tous les champions. Oh, tu les débloqueras avec le temps. Ça va, en vrai, ça se débloque assez vite les champions sur Wildrift. Salut Pandora! Vous avez besoin de front? Ah, mais comment vous pouvez faire avec... sans... Enfin, comment vous avez une front sachant que moi je suis pas là parce que je joue Briscoq? Eh ouais! Je peux pas vous aider. Je peux pas vous aider, désolé. T'es là, il y a Ezreal en frontline, c'est bon. Ils vont nous faire un hacheur dans le dos, les copains d'en face, là.
Ils vont nous faire un... Ils l'ont tué déjà ? Vraiment ? Ah, l'aide ! Quand est-ce que je... Wouah ! J'ai spammé l'ulti et jamais parti. Oh, vous jouez en équipe. C'est beau. C'est beau de voir ça. Vous voir jouer ensemble comme ça, ça me met la larme à l'œil. C'est très beau. C'est très très beau. C'est vrai qu'on arrive à faire pareil. Le flashing d'Evenson, Evenson, la motivation. Sur clé-clé 0-12 qui vaut pas de gold. Clé-clé va prendre le kill. Oh là. Oh là. Ok, c'est passé. Comment ça se passe de ce côté-ci? Puyo dans la difficulté. Ça y est, j'ai mon deuxième item de fou. Ce duel, c'est pas fini, hein, les duels de fou. Oh, le poison. Là, Rémi, il a passé toute la game à se dire, mais c'est quoi ce perso nul, Saint-Jed? Et là, il commence à arriver au point où il se dit, mais c'est marrant, en fait. Je cours dans tous les sens, je fais chier le monde. Et ça marche. Il faut envoyer Nautilus sur Tristana. Ça n'a pas fonctionné. Waouh. Ça n'a pas fonctionné du tout. Est-ce qu'on a de l'espoir? Elena, t'es notre seul espoir. Ok, Elena, maintenant tu as un V12 avec ta Senna. C'est maintenant. Allez, Elena. Tu nous montres. Tu tues tout le monde. Ouais, pas mal, pas mal. Bon début. Continue comme ça. Non, c'est pas bien. On a d'autres espoirs. Ouais, ça va être un peu juste niveau timing. Et bah, c'est encore perdu. Bon bah, une fois de plus, les viewers auront montré qu'ils étaient plus forts que les autres viewers, quoi. Bravo, j'espère que vous êtes amusés et que vous avez pris plaisir à découvrir des personnages. Surtout Nishinoya qui a pris un plaisir dingue à découvrir Ezreal. La game est pas méritée. Bon, tu t'es amusé quand même un peu. Je pense que Japas, il a dû se dire que finalement, Lilia, c'est cool. Hein. Vous avez été horrible. Ah, vous avez été vraiment nul en botlane. Hein. C'est terrible, hein. À vous deux, vous avez fait 2-16-10. C'est pas terrible, hein. Pendant ce temps-là, Onizuka... C'est qui Onizuka? C'est Cartman, non? Ça fait un petit peu plaisir. Un tout petit peu plaisir. Oui.